Voilà ce que je fais tous les matins. Ici, on va faire un petit gommage. Mon gommage à la poudre noyée d'abricot. Le gommage est là pour nettoyer en profondeur et aider aussi à exfolier les cellules mortes qui sont sur la peau, histoire de dégager la peau neuve qui est en dessous et du coup d'apporter une bonne mine quoi. Donc ici là, moi je vais me raser le visage. Ce que je vous conseille si vous avez la peau sensible, c'est de ne pas le faire parce que le rasage comme ça, ça peut irriter certaines peaux et du coup créer des boutons. Mais autrement, on n'agresse pas la peau en fait, on enlève le duvet qu'il y a souvent sur la peau. C'est ça qui fait aussi que la peau elle est souvent terne. Il faut bien humidifier votre peau, il faut même l'hydrater au maximum histoire de ne pas raser à sec parce qu'on ne va jamais raser une peau à sec. Donc on va toujours hydrater de façon à faciliter la glisse de la lame. Derrière, il faut absolument réassainir la peau. Si vous avez eu des petites lésions, des choses comme ça, ça va empêcher le développement des micro-organismes et ça va vraiment nettoyer la peau, la laisser saine. Alors ici, c'est un petit masque exprès qui va vous aider et qui marche de ouf. Alors, je mets un tout petit peu de jus de citron. Derrière, j'utilise mon gel d'aloe vera qui est déjà prêt à l'emploi. J'utilise le curcuma, genre une demi-cuillère à café et le tour est joué. Je vais juste rajouter mon petit sérum huileux. Donc voilà, c'est mon petit sérum d'agrumes, hein. C'est des peaux d'orange et de citron que j'ai fabriqué et avec un peu de vitamine C. Je mélange le tout et je viens appliquer ce petit masque qui est un vrai petit bijou. Si vous souffrez de problèmes de teint terne, il peut relativement vous aider en un temps record à regagner en éclat, en une peau plutôt en bonne santé. Donc voilà, si vous êtes un peu à la bourre et que vous avez par exemple un événement dans une semaine, faites ce masque genre 3 fois dans la semaine et vous allez voir les résultats de ouf que ça peut vous faire. C'est bien beau d'acheter un masque, mais je vous assure que ce petit masque là, il sera beaucoup plus efficace qu'un masque de commerce et il sera frais quoi. Il va apporter tout ce dont la peau a besoin, que ce soit au niveau de la bonne mine, que ce soit au niveau des vitamines. Honnêtement, n'hésitez absolument pas à faire ce genre de soin et ce petit masque, faites-le, vous allez voir juste à l'issue du soin l'état de votre peau, ça fonctionne. Alors, je vous ai déjà montré ce sérum, je vais l'appliquer. Faut toujours appliquer un petit sérum avant la crème. Pourquoi? Parce que le sérum est beaucoup plus efficace parce qu'il est très fluide, donc il pénètre rapidement dans la peau et en complément de la crème, il va vraiment accentuer l'efficacité des produits. Le sérum se met toujours avant la crème et derrière vous appliquez votre crème. Alors ici, je vous montre comment utiliser une crème solaire parce que j'ai eu beaucoup de questions des filles qui ne savent pas à quel moment utiliser la crème solaire. Mettez s'il vous plaît une petite crème protectrice pour éviter déjà les risques de cancer parce qu'on parle toujours d'hyperpigmentation, non? Il y a les risques de cancer, même s'ils ne sont pas très développés chez les peaux noires, ils existent. C'est normal qu'il y ait un film comme ça sur la peau parce que là, on est sur un écran solaire. Tous les écrans solaires laissent plus ou moins ce petit film blanchâtre qui n'est pas souvent joli. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer votre crème solaire avant et derrière, appliquer votre crème de jour et vous laissez la peau nickel, mais bien protégée. Et honnêtement, ça marche de ouf. Regardez-moi cette peau en un temps record. J'ai fait ce soir genre 20-30 minutes et le résultat est là. Vous faites ça 2 fois par semaine. Je vous assure que ça se mettra en place et vous ne verrez même plus la contrainte de ça et ça fonctionne réellement. Donc voilà, j'applique mon petit beurre de karité sur les lèvres et puis le tour est joué. Allez, je vous fais de gros mimi et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez soin de vous. Bisous tout le monde, bye bye.